Giuliana, voulez-vous prendre cet homme pour légitime époux et le garder pour le reste de votre vie, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Mitch, répétez après moi. Par cet anneau, je t'épouse. Par cet anneau, je t'épouse. Vous avez échangé vos anneaux. Vous avez échangé vos vœux. Maintenant, par les pouvoirs qui me sont conférés par cet état, devant Dieu et tous ses témoins, je vous déclare mari et femme. Tout d'abord, merci à Kate, la mère de Giuliana, et à son époux Charlie pour cette magnifique réception. Et merci aussi à mon père qui ne peut être ici aujourd'hui. Il a toujours dit que si jamais je me mariais avec une femme que je fréquentais depuis moins d'un an, il me mettrait à la cave. Et je crois que dans ce cas-ci, il ferait sûrement une exception. Et je veux remercier aussi mon camion de tomber en panne aussi régulièrement et de m'avoir fait prendre le bus le soir où on s'est rencontrés. Et finalement, j'aimerais remercier ma femme d'avoir enfermé mon cœur à clé et d'avoir jeté la clé. Santé. Santé. Tu es sûre de vouloir faire ça? Oui, maman, je suis sûre. D'accord. Alors, sois prudente. Je veux que tu me reviennes saine et sauf pour mon anniversaire. Je te revois dans 2 semaines. D'accord, chérie. Bye. Bye. Emmène-moi vite loin d'ici. Oui, madame. B65 24/7, I'm by your side, baby, it's heaven. I promise you, you're never alone anymore. Alright, won't let you go. I can't get enough, girl. You can't escape. L-O-V-E, love, girl. We got it made. On a réussi. On peut faire tout ce qu'on veut ici. Comment t'as réussi à trouver cet endroit? Au cours d'un voyage de chasse, avec mon père, il y a environ un an. Et il n'y a pas d'eau courante? Non. Pas de télévision? Non. Pas d'électricité, d'accès Internet? On peut rester plus longtemps si tu veux. Comment j'ai pu te laisser m'emmener ici? Oh, Mitch, emmène-moi à l'aventure. Ouais. Je veux quitter ce monde de loisirs qui me pue au nez. Tais-toi! Je ne parle pas comme ça. Oui, j'adore ton esprit d'aventure. D'accord, très bien. Seulement 2 semaines, c'est plus qu'assez pour moi. Ou peut-être même 3, qu'est-ce que t'en dis? 2 semaines. Mais je croyais que... J'ai vu une lueur dans ton œil quand je t'ai dit 3, t'as tendu l'oreille. C'est là.
le monde à bord. Tu es sûr qu'il n'y a aucun risque? Le bateau? Tu veux rire? C'est un char d'assaut. Allez, viens, Jules. Tu sais bien que je vais te protéger quoi qu'il arrive. Mon père nous emmenait dans un endroit comme ça quand on était petit. Peu importe l'endroit où on habitait, il nous ramenait toujours dans les bois. Mes frères et moi, on passait des heures à faire semblant d'être enchaînés. On s'enfuyait dans les sous-bois. Je me serais perdue en 2 secondes. C'est ce qui est amusant, justement. J'appelle ma mère, elle doit déjà commencer à faire une dépression. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, bébé? T'as dit que t'avais vérifié si ça fonctionnait, non? Oui, le type a dit que ça marcherait. Ça fonctionne pas. Tu veux repartir? Non, t'as dit que c'était l'aventure, pas vrai? Ouais. Mais est-ce que ta mère va pas paniquer? Ça, tu peux le dire. C'est quoi ça? Oh, c'est une vieille tradition. Les chasseurs font des marques pour compter les nuits qu'ils passent ici. Combien d'animaux ils ont tués, etc. On est venu, on a bien bu, on s'est repu. SRJR 82. Poétique. Je pourrais peut-être aménager ça un peu. T'aimes pas ça ici? Si, j'adore ça. C'est... rustique. On continue la tradition. C'est bien. Je vais chercher les choses dans le camion avant qu'il fasse noir. Je me suis fait mal. Bébé, est-ce que ça va? Non. J'ai très mal à l'orteil. Ça va mieux? Non. Et maintenant? Non. Non, ça va pas mieux. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Il est réglé comme une horloge. T'as bien dormi, la marmotte? Salut. Tu sais, aujourd'hui, on célèbre notre 2e journée de mariage. Comment tu veux fêter ça? Si on demandait le service aux chambres. Excellente idée. J'appelle la réception. Hé, hey, bébé, est-ce que ça fuit en bas? Ouais. Et maintenant? Ouais. Ça fuit encore, bébé? Ouais. Mitch? Oui? Est-ce que tu essaies de réparer le toit ou bien à l'heure de faire plus de trous? C'est vraiment très drôle. Raconte.
Raconte-moi une histoire de feu de camp. Je sais pas, bébé. Toutes les histoires de feu de camp que je connais sont un peu effrayantes. Je suis pas si mauviette que tu crois. Jack, t'aimes ça comme prénom? Jack. Ouais. Ouais, ou You. Peut-être bien. Petit You, oui. Je t'en prie, on a déjà parlé de ça. Un beau jour, peut-être, mais pas tout de suite. Je sais, mais je parlais justement de ce jour-là. J'en sais rien, ça doit être que c'est la première fois que je vole de mes propres ailes. Tu crois pas que je devrais d'abord finir les cours? Ouais. Mon petit Picasso. J'espère que nos enfants auront tes jeunes créatifs. C'est... Mitch! Non, c'est vrai, t'as vraiment du talent, bébé, je te jure. Songe-y, dans un monde parallèle, je vais encore à l'école, je fais la fierté de maman. Et là, j'apprends à castrer les petits chatons. En plus, je suis encore avec Anthony. Ouais, monsieur Fonds Mutuel. Ouais, monsieur le jaloux, je prends ça comme un compliment. Bah, c'est pas ce gars-là qui aurait songé à t'emmener ici. Et c'est pour ça que tu dois me faire vivre l'expérience du camping au complet. Alors, s'il te plaît, dis-moi une histoire de feu de camp. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de celle où un couple vend lune de miel en plein milieu des bois? Ils s'assoient pour faire griller des guimauves et sont terrorisés par un maniaque. Oh, j'aime pas cette histoire. Raconte-moi l'histoire qui parle du prince qui va sauver sa damoiselle en détresse et qui va vivre le parfait bonheur après. Pourquoi tu viens pas? L'eau a l'air froide. L'eau a l'air froide. Tu sais quoi? Je crois qu'il est temps que tu te mouilles. Non, Mitch, je vais pas me baigner. Non, tu peux courir, mais tu pourras pas te cacher. Mitch. L'eau est pas si froide. Mitch, j'ai dit non, Mitch. Non, tu vas voir, tu vas t'y habituer. Mitch, je veux pas y aller. Écoute, arrête, Mitch. Je veux vraiment pas aller dans l'eau. Je t'en prie, Mitch. Non, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Viens. Je viens de me maquiller et ça va couler si je me baigne. Eh ben... D'accord, alors s'il y a que ça, je vais t'installer sur le matelas. Là. Sois pas inquiète, bébé, tu seras même pas mouillée. J'ai attaché le matelas à un rocher, il partira pas, je te le promets. Détends-toi.
Ne me laisse plus jamais seule comme ça, tu m'as bien comprise. Écoute, pourquoi tu m'engueules comme ça? Je savais pas que le matin allait couler. Je sais pas nager, Mitch. Comment ça t'a jamais appris? J'ai trop peur de l'eau. Julian, pourquoi tu m'as laissé t'amener ici? Parce que j'ai cru que si je venais avec toi, je pourrais peut-être m'en guérir. Je croyais pas que t'allais m'abandonner comme ça. Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? J'en sais rien. Je m'excuse, ok? Ça va. Je suis désolé. J'en savais rien. Tu t'endors toujours après l'amour. Je suis désolée, bébé, elle m'en veut pas. Mitch? Oui, bébé. Tu m'aimerais toujours si je me teignais en noir? Oui, je t'aimerais. Si je me rasais la tête? Oui, je t'aimerais toujours, mais j'aime bien tes cheveux longs. Et si je devenais grosse? Bébé, t'aimerais changer ta coiffure? C'est ce que tu vas me dire. Je t'aime comme tu es, mais si tu veux changer, vas-y. Oublie ça. Tes joues sont tellement bons. Je voudrais mettre ton odeur en bouteille et l'emporter partout où je vais. Je pourrais l'ouvrir et t'avoir juste à côté de moi. Peu importe où tu es. Bonjour mon amour. Salut bébé. Tu peux essayer ? D'accord. Tu la tiens de la main droite ici. Prends le fil et maintiens-le bien. Avec l'autre main, tu retournes lance. Et quand tu vas lancer, tu relâches le fil avec ton index. Pas mal. Pas mal du tout. Ramène ton fil rapidement. C'est ça. J'ai remarqué que tu avais un coffret à l'intérieur. Pourquoi t'as ça? Pour la sécurité. La sécurité contre qui? On est au milieu de nulle part. On sait jamais, Jules. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les clés d'auto, des trucs du genre. C'est pas important, Jules. D'accord? C'est rien du tout. J'ai pas dit que c'était important, je demandais, c'est tout. Arrête de demander, ok? Je t'ai pas emmerdé, moi, avec tout le maquillage que t'as traîné. C'est vrai, qu'est-ce que tu veux essayer de séduire ici? Hey, Jules! Tu veux venir dehors une seconde? Je veux te montrer quelque chose. Tu m'as fait un chevalet. Pour travailler. Tu vois, faire ta peinture. Pardonne-moi, Julian. Alors, est-ce que tu m'aimes encore? Tu
sais, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être aller faire un tour en ville aujourd'hui pour acheter le journal, dîner au restaurant et peut-être appeler ma famille. Je croyais que tu cherchais l'aventure. C'est vrai, mais tu veux pas savoir ce qui se passe dans le monde? Prendre des nouvelles. Ici, ça m'a l'air d'aller. De toute façon, ma mère doit sûrement paniquer, alors il faut vraiment que je la rejoigne. C'est à plus d'une heure d'ici, Julian. Je sais, mais c'est rien du tout une heure. De toute façon, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Et voilà, il n'y a qu'à attendre. Et qu'est-ce qui arrive au pauvre petit animal? Tu sais, la plupart du temps, les petits animaux ne survivent pas à l'impact. Julian? Bien, mais il faut que tu sois plus prudente ici. Ah, bébé, tu me fais mal au poignet. Dis, tu crois pas qu'on devrait songer à rentrer bientôt? Quoi? Bah, ça fait 10 jours et je me disais... On a dit qu'on resterait 2 semaines. Je sais. Et ça a été merveilleux. C'est juste que j'ai hâte de rentrer à la maison et de commencer notre vie tous les deux. Commencer notre vie tous les deux. Julian, c'est ça notre vie à tous les deux. Tu sais, j'ai jamais passé plus de 2 jours de suite sans parler à ma mère. Ben... C'est pas comme si elle devait nous quitter. Enfin, regarde autour de toi, Julian. Tout ce qui nous entoure. C'est ça, nous. C'est ça, notre vie. C'est ici qu'on commence. Il y a juste toi et moi. Je veux rentrer, Mitch. J'adore la nature, la terre, les bois, tout ça, c'est vrai. Mais je veux rentrer. Allons-nous-en. Non. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Je veux dire non, Julian, non. Est-ce que t'écouterais pas? J'ai dit que je voulais rentrer à la maison. C'est notre lune de miel. On ne peut pas partir avant qu'elle ne soit terminée. Alors je pense que si on s'en va tout de suite, Julian... on arrivera sûrement avant minuit. Et je crois pas qu'on va voir de circulation. Julian, on ne s'en ira pas. C'est quoi ton problème? C'est quoi mon problème? Quand tous les deux on décidera que c'est le temps de partir, alors on partira. T'es de mauvaise humeur en ce moment et c'est pas grave, ça va te passer. Mais ne viens pas foutre en l'air notre lune de miel parce que ta mère adore et te manque. Va chier! C'est toi qui m'avais dit que le cellulaire fonctionnerait bien ici. Je t'ai déjà dit que le putain de fer au téléphone m'avait dit que ça allait fonctionner. Et c'est qui? Qu'est-ce que t'aurais voulu que je fasse, hein, Julian? Que je vienne moi-même le vérifier? Ça t'aurait rendu heureuse, ça, princesse? J'en reviens pas. Cet endroit t'a changé, Mitch. T'as jamais agi comme ça auparavant. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux savoir? Je vais te dire ce qui se passe, Julian. Je suis ton mari maintenant, et toi, tu es ma femme. Je suis pas un vulgaire soupirant que tu peux envoyer paître quand t'en as envie. Et si je ne pars pas, alors tu ne pars pas. Je vais aller vérifier mes pièges. Julian, je suis désolé de t'avoir crié après.
J'aurais jamais dû faire ça. Ça se reproduira plus, promis. D'accord? Si tu savais à quel point je t'aime. Hey Jules, réveille-toi, tu devrais voir ça. Il y a un oiseau complètement fou. Il n'arrête pas de faire des cercles, ensuite il va se poser au bout de l'île. J'ai jamais vu un oiseau agir comme ça. Mitch ? Mais ? Est-ce que t'as vu ma deuxième boîte de pilules ? Quelle pilule, bébé ? Mais tu sais, les pilules... Non, j'aurais dû. Dis-moi, honnêtement, est-ce que tu les aurais prises? Pourquoi j'aurais pris tes pilules? Oh ah, quelle cochonnerie de merde! Ah, bébé, du calme. Ne me dis pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe avec toi en ce moment? Mitch, je t'en prie, il faut qu'on retourne en ville. Tu sais, je crois qu'on avait déjà réglé ça. Mais qu'est-ce qu'on a réglé d'après toi, Mitch? Que je dois rester ici jusqu'à ce que tu te décides? Non, on a dit qu'on resterait 2 semaines. Et j'ai plus de pilules. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir? Tu sais pas ce que c'est, la pilule? Si, Julien, je connais la pilule, mais je vois pas pourquoi cette panique comme ça. Qu'est-ce qui peut arriver de grave? Je pourrais tomber enceinte, Mitch. C'est pas difficile à comprendre, ça. Mais... on est mariés maintenant, Julian. On peut se permettre de courir ce risque-là, non? On a bien dit qu'on voulait fonder une famille un beau jour. Un beau jour? Je veux avoir des enfants avec toi. Un beau jour, pas tout de suite. Tu peux pas te mettre à planifier tous les moments de ta vie comme ça. Parfois, des choses doivent se produire. Qu'est-ce que c'est? Un biscuit chinois? Non. Mais si on avait suivi tes plans, Julian, on serait à la maison en ce moment en train de faire les mêmes conneries qu'on va faire jusqu'à la mort. Et si on avait suivi les plans de ta mère, tu serais sans doute vétérinaire, on serait même pas mariés. Mais est-ce que t'as pensé à mes plans? Quand est-ce que tu vas suivre mes plans? Mais enfin, de quoi tu parles? Pourquoi est-ce que tu ne me comprends pas quand je te parle, Julian? Je comprends ce que tu dis. T'es une fille intelligente et je parle un français limpide. T'es d'accord, oui ou non? Peut-être que si t'arrêtais de me dire quoi faire continuellement et que t'écoutais un peu plus ce que je te dis, t'es ma femme et j'aurais pas le droit de compter sur toi pour me comprendre? Comment je peux avoir confiance en toi si tu m'écoutes jamais? Je t'écoute, sois pas inquiet. Bon. Parce qu'il n'est pas question qu'on parte. L'eau était bonne.
Ça va? Ouais, je vais aller me changer. Hey, qu'est-ce que tu dirais si toi et moi, on allait à la pêche demain? Comme tu veux. Ouais, je pourrais te montrer. Mon lancer magique. T'as un talent naturel. Mais sois prudente. T'as pas mis ton gilet de sauvetage. Sois pas inquiet. Avec Anthony. Je sais. Le soir où on s'est rencontrés à l'arrêt d'autobus, t'étais là. Tu m'avais suivi. T'attendais absolument pas l'autobus, pas vrai? Qu'est-ce que t'as fait quand je suis sortie? T'as pris le bus en sens inverse? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu voulais que je t'aborde en disant « Hey, je vous ai suivi, si on prenait un verre ?» Ouais. Ça aurait été la vérité au moins. T'es une belle fille, Julianne. Tu ressors dans une foule, c'est pas un crime de te remarquer. Oui, je t'ai vu là quelques fois. Alors, Mitch, depuis combien de temps est-ce que tu m'épiais? Que je t'épiais? Seigneur. Qu'est-ce que t'as d'autre là-dedans? Mitch, écoute-moi bien. Ça fait 14 jours. Je m'en vais. Donne-moi les clés. Écoute, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Julianne. Je ne voulais pas te laisser sur cette île toute seule. Je sais à quel point tu détestes être toute seule. Mais j'avais besoin de décompresser un peu. C'est pas parce que tu m'as laissée seule. On peut régler ça. Je te le jure. Non. Comment tu veux qu'un mariage fonctionne si deux semaines ça marche pas? J'en sais rien. Peut-être que ça va s'améliorer quand on sera revenu. Pourquoi est-ce que ça s'améliorerait? Parce que t'auras plus d'excuses pour t'éloigner de moi? Des excuses pour m'éloigner de oui, toi? Oui, tu sors toujours avec tes amis. Je sais jamais où est-ce que t'es, ce mes que tu amis fais. Mes amis ne sont pas des excuses pour m'éloigner de toi, ce sont mes t'es amis. Petite bourgeoise snob et tu le sais ça. T'es tellement inquiet de tout. Tu ferais mieux de la fermer, Julianne. Tu ferais beaucoup mieux de la fermer. C'est quoi ton problème? Est-ce que t'as peur que je rencontre un jour dans un party un type qui soit plus brillant que la toi? La ferme, Julianne. Il sera tu ferais mieux plus de taire, Julianne. Toi Julianne. Je te défends de me pousser. T'es qu'une petite fille gâtée qui a été dorlotée toute sa vie et aujourd'hui tu veux retourner voir maman? Hein? T'as dit que tu voulais fuir tout ça, Julianne. Que tu voulais faire quelque chose de différent, ben fais-le. Je le fais, tu foutaise! T'as jamais rien fait toute seule de toute ta vie. T'as toujours eu ta mère pour te chaperonner. Et tu veux savoir? T'es vraiment comme elle. Tout doit toujours tourner autour de toi. Ça me surprend ton vrai père ait pu l'endurer aussi longtemps. Et le tien, il est mieux? Pourquoi il n'était pas notre mariage, hein?
Est-ce que t'aurais honte de moi ou peut-être que t'as honte de lui? Jules, n'essaie surtout pas de renverser la situation. Il ne m'appelle pas Jules. Pourquoi ça? Parce qu'Anthony m'appelait comme ça. Tu l'as fait foutre? Je l'ai fait, et pas mal de fois en plus. Et il s'endormait pas, lui, après. Tu sais quoi? Je vais te tuer, Julian. Mitch, donne-moi les clés. Je te défends de toucher à ces clés. T'as compris? Julian, Julian, le soleil va se coucher bientôt. Julian, bébé, je m'excuse de m'être fâché contre toi. Ça arrivera plus, c'est juré. Mais tu vas pas rester dehors au soleil couchant, bébé. Allez, réponds. Julian? Julian, est-ce que tu m'entends? Te voilà. Enfin, tu m'as retrouvé. Je suis désolé. Julian, je suis vraiment désolé. Moi aussi, tu sais, j'ai eu tellement peur. Je me mettrai plus jamais en colère comme ça. Je te le promets. Mais ne me laisse pas. D'accord, ne t'en va pas. Rentrons, tu veux bien.
Ah, bonjour. Où est le bateau? Comment? Où est le bateau, Mitch? J'en sais rien. Il a dû couler. Mais ne sois pas inquiète, Jules. Je peux toujours nager. Alors, sa mort? Non, pas encore. Ben, si t'attrapes quelque chose, dis-le-moi, d'accord? J'ai des trucs à faire. Mitch? Non, rien. Thank you.
sûr d'en avoir envie. De propriété. Mitchell Wally, père. Thank you.
fais surtout pas de bêtises. Pourquoi il marche pas, ton camion? Répare-le. Répare ton putain de camion! Je savais que t'essaierais de t'enfuir, Julian. T'as fait des conneries, dernièrement, Jules. Des grosses conneries. Combien de fois je vais devoir te sauver? Tu veux te noyer, c'est ça? C'est ça que tu veux, bébé? Tu veux te noyer? Je présume que t'as vu l'acte de la maison. Alors j'imagine que tu sais qui est enterré dans les bois. T'as toujours voulu rencontrer mon père. Il est juste là. Tout près de nous. Il adorait cet endroit. Tu l'aurais beaucoup aimé, Julian. Il était comme moi. Ça a été un accident. Tu sais, les accidents de chasse, c'est fréquent. Il n'arrêtait pas de me dire, de me trouver une fille bien. Et de fonder une famille. Il disait, Mitch, t'es pas un vrai homme tant que t'as pas de famille à toi. Je crois qu'il aurait été très fier de nous. Et t'as pas idée à quel point c'est dur de rendre fier un homme mort. J'ose espérer que t'aimes ça ici. Un peu plus avant qu'on en parle, mais comme t'as vu l'acte, tu sais que la maison est à moi. Et étant donné qu'on est mariés, ça veut dire qu'elle t'appartient aussi. Tu ne te sens pas comblé. C'est pas mieux que de vivre dans une maison que ton beau-père a achetée pour nous. On est ensemble. On a à manger, on a de l'eau, on a un toit et on a une vue magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre, hein? Et t'es
essaie quand même de te sauver de moi. Je te comprends pas, Julian. Je veux te protéger. Je veux te protéger contre toi-même, juste en attendant que tu ailles mieux. Et tu sais quoi, Julian? Cette maison, c'est un vrai merdier. Si jamais ta mère voyait ça... C'est vrai, c'est dégueulasse! Une vraie porte! Tu laisserais jamais la maison de ton beau-père ressembler à ça, hein? Et tu sais quoi, Julian? Tu sais quoi? Je parie que tu crois que je te punis, c'est ça? C'est ça que tu crois? Tu crois que je te punis? Mais c'est faux, je te montre, c'est tout. Je ne fais que te montrer, regarde. Des trucs comme ça, regarde ça. Ça coûte $12.95 pour un tube de peinture petit comme ça. Hein? Pourquoi il faut des trucs hors de prix pour te rendre heureuse? Julian. Regarde-moi. Dieu, que t'es belle. Maintenant, dis-toi ça. Salut, Trésor. Je nous préparais à manger. Tu sais, c'est très peu de choses. Il y a juste des restes que j'ai fait cuire ensemble, c'est tout. J'ai pas eu la chance d'aller au magasin aujourd'hui. Oh, je crois que je devrais pas me plaindre. Je voudrais surtout pas être un boulet à tes yeux. Et toi, parle-moi de toi. Comment tu te sens? Hein? Je venais chercher une allumette. Nom de Dieu, Julian. Je m'inquiète pour toi, Julian. La situation n'est que temporaire, tu le sais ça, non? C'est vrai, quand t'arrêteras d'essayer de sauter à l'eau... Et comment tu feras pour le savoir, hein, Mitch? Je suis enchaînée à une saloperie d'arbres. J'arrive même pas à me rendre à l'eau. J'en sais rien, Julian, mais quand tu seras de meilleure humeur... Je sais que je suis trop accroché à toi. Jules, je le sais, je me vois faire et je déteste ça, mais je peux pas m'en empêcher. Je suis rien du tout sans toi. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Ça, je te jure, mais ça va aller mieux. C'est certain. Très bientôt, Julian. Je te le promets. C'est l'anniversaire de ma mère. Je lui avais promis de revenir pour la fêter, tu te rappelles? Tu sais,
Éventuellement, quelqu'un va venir nous chercher ici. Et quand ça va arriver, qu'est-ce que tu vas leur raconter? Hein? Est-ce que ta famille sait où on est? Je vois. Il n'y a pas grand monde qui passe dans le coin, Julian, alors je crois que tu vas devoir t'y habituer. Et je parie que tu savais ça, hein? Tu savais que personne ne viendrait nous chercher ici. Ils savent pas où on est. Et je parie aussi que tu savais que le cellulaire ne fonctionnerait pas ici, hein? Tu savais que je savais pas nager. Tu savais que j'avais peur de l'eau. Hein, Mitch? Moi, je crois que tu le savais. Je crois que tu savais tout. Tu peux croire tout ce que tu voudras, Julian. Dis-le-moi honnêtement, Mitch. Est-ce qu'il y a la moindre chose que tu m'aies dite qui n'était pas un mensonge? Je t'aime. Et je t'aimerai toujours, ça c'est pas un mensonge. Tu dois me laisser m'en aller. Le fait de m'aimer ne signifie pas que tu dois aimer seulement ce que je représente. Ma vie entière, j'ai eu des gars qui ne m'aimaient que pour mon apparence. Ils ne m'ont jamais comprise. Ils n'ont même jamais fait l'effort de chercher à savoir jusqu'à ce que tu arrives. Je croyais que t'étais différent. Je croyais que tu valais mieux que... Tu crois que tu m'aimes. Mais c'est faux. Mitch, je t'en prie. Je t'en prie, laisse-moi m'en aller, Mitch. Je t'en prie. Non. Non. T'as été à l'église. Et t'as prononcé ces mots, t'as dit, pour le meilleur et pour le pire. Dans la santé et la maladie, t'as choisi ces paroles, Julian. Et quand ça tourne mal, tu peux pas t'en aller, tu dois rester. Mais j'ignorais. Tu oublies notre famille. Tous les enfants que tu vas avoir, on peut les élever ici. Tu penses pas que c'est beaucoup mieux pour eux? On va leur éviter toutes les choses cruelles. Mais on doit arrêter de se battre. Parce qu'on ne doit absolument pas élever un enfant dans un tel environnement. Julian. Il n'y a personne qui t'a aimé comme je t'aime. Fish.
Quoi? J'essayais d'allumer le poêle et les allumettes ont... Qu'est-ce que t'as fabriqué là? Je m'excuse, j'essayais d'allumer le poêle et... Nom de Dieu! Est-ce qu'on a d'autres allumettes? Non, on n'a plus d'allumettes. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Hein? Comment on va faire à manger? Je sais rien. Ça, c'est vraiment brillant, Julianne. Maintenant, va falloir que je me rende en ville pour acheter des... Tu veux savoir? De la merde. J'irai nulle part. Tant pis. D'accord. Ne t'enfuis pas. D'accord. Fais vite.
vais juste allumer une cigarette dans le camion. Si on en garde toujours une allumée, on n'aura pas besoin de feu. D'accord. Je vais faire à dîner si tu allumes un feu. Comme tu veux. Oh, à propos, le camion est en panne. Mitch, attends. Le camion est en panne? Ouais. T'inquiète pas, on n'en a pas besoin. Mais si jamais il nous arrivait quelque chose de grave? Il nous arrivera rien. Oui, mais si ça se produisait? Je veux dire, je sais que tu pourrais survivre sans moi, mais s'il t'arrivait quelque chose... Ça arrivera pas. Ça se marche? J'en sais rien, je crois pas. Ma cigarette est finie, j'allume le feu. Attends. Je vais l'allumer. Allume-toi une autre cigarette. Bon. T'es sorti de l'île, toi, hein? Comment t'as... Non, Mitch, je te jure! Je le sais! Tu te crois plus brillant que moi? Hein? C'est ce que tu crois? On va régler ça. Tu ne sortiras jamais de cette île. Espèce de fumier, je te déteste. Je te défends de dire ça.
Fais-le, Jules. Fais-le. À toi de le faire, Mitch. Je refuse. Tu ne pourras pas y arriver seul. Au revoir, Mitch. Thank you.
These swollen faces appear below. From cold, dark places, I'm scared to go. They have no secrets, they tell no lies. They trade in weakness, I've seen their eyes. Someday I'll need to stand tall again, stronger, and they'll be there to share the pain with you. And you know that you'll need them too. You're this close to your place in the world. This close, and you've almost made it. All the faces that you see, smile back. Direction, I changed my mind, I found protection.